Bonjour les gamers, ici au Code 38, bienvenue sur le jeu Don't Starve, Reign of Giants, donc qui est un DLC de Don't Starve. Il y en a eu plusieurs qui ont été faits. Alors ici, je vais vous montrer un peu le jeu, lui-même un aperçu de ce jeu, et vous me direz si ça vous intéresse, je vous ferai bien payer dessus. Un jeu que, à mon avis, vous connaissez. Alors, retour, moi je joue à la manette, ici jouer, donc j'ai mon personnage que vous pourrez choisir différents. Là je prends un aperçu, donc je prends de... Là ça fait 11 jours que je survis. Mais je vous ferai de... un début de jeu s'il faut que je reprends tout à zéro. Alors voilà. Alors le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Hein. Contre la faim, lutter contre la faim. Lutter contre l'attaque des monstres. Lutter contre la soif, la faim. La nuit. Il faut éclairer si vous voulez survivre. L'hiver, l'été, la chaleur, hein. Si il fait trop chaud l'été, il faut se mettre en dessous d'un arbre. Et oui, ici le feu, si on veut l'alimenter, ben, je vais dans la barre du bas et puis je clique sur bois et je vais ajouter du combustible. Voilà, ça c'est pas fait. Oui, là, il fait trop chaud. Il y a trop de bois. Donc en dessous de l'arbre, de façon à avoir un peu moins chaud. Alors on pourrait faire pousser des arbres, on pourrait couper des arbres. Ici j'ai une pioche. C'est pour dire de couper de casser la roche. Mais ici si je veux par exemple couper du bois. Ah, ça lâche. Alors il y a différents monstres dans ce jeu, c'est, vous voyez de tout, hein. Donc ça fait là le 11e jour, j'ai repris une nouvelle partie. Alors, vous voyez, hein, bien fait. Donc je ramasse les sèmes de pain pour replanter de nouvelles armes. Ici on va utiliser la pelle pour faire je suis un peu malade, hein. J'ai un peu la grippe. Alors vous voyez, comme ça, oh, c'est pas mal, hein. C'est bien fait. Ici, je prends ces sacs de pain et je peux replanter les arbres. Alors pour vivre, hein, vous pouvez ramasser des baies, hein, vous pouvez ramasser des carottes. Il y a des personnages qui mangent que de la viande. Hein. Lui, il mange un peu de tout. Donc des graines pour faire du jardinage. Avec la bouche de vache, vous pouvez faire des petits jardinets, faire pousser différents légumes. Ça qui est pas mal. Alors ici, si je veux faire cuire par exemple, pour l'instant je n'ai pas encore la marmite et tout ça. Donc, j'ai envie de faire cuire. Oh merde, j'ai mangé cru. En fait, ouais. Vous voyez ici vous avez des baies, les baies vous cliquez dessus et vous faites dessus. Et ça remonte la barre de vie qui est donc ici. Puisque ici vous avez des icônes de faim, barre de santé, et là c'est c'est plus de la peur, là c'est le cycle jour et nuit. Ici quand vous arriverez dans le bleu il fera noir totalement, et là si vous n'êtes pas éclairé, bah, les monstres vont venir sur vous et puis bon, tu viens. Alors ici vous avez la liste de, des outils de la recherche, vous pouvez faire des haches, vous pouvez faire des pioches, vous pouvez faire des pelles, vous pouvez faire
des masses pour détruire, ici vous pouvez faire des rasoirs, le feu vous pouvez faire des feux de camp, des foyers, des torches, après vous pouvez faire diverses choses, des cafés mineurs, des bouillons, des lampes citrouille. Alors, ici, vous pouvez faire des pièges pour capturer des lapins aussi. Ici, le jardinier basique, le jardinier amélioré, vous pouvez faire plein de choses, des mijoteuses. Voilà, pour avoir des mijoteuses, il vous faut du charbon de bois. Et pour faire un bois, du charbon de bois, il va me falloir. Bon là j'ai des arbres aussi, ici par exemple, je m'équipe. Voilà, ça c'est fait quand même, c'est bien équipé d'une arme. Je peux également, parce que je peux avoir des attaques de loups, ici le placeron de bois me permet de me protéger. Alors ici, au soir tôt, on va bientôt faire nuit. Pas trop me barrer parce que... Ici on va réalimenter un peu son feu. J'ai du bois. C'est bon. Vous pouvez construire des coffres. Et dans ces coffres, vous pouvez mettre différentes choses. J'ai ma doudoune pour l'hiver. Vous allez mourir également. C'est un jeu de survie, d'aventure, simulation. Il est développé, édité par Clay Entertainment. C'est un très bon jeu, un jeu où là aussi, nous avons peur, améliore son jeu constamment. Par ici, on en sur A. Pour ramasser d'autres armes. Ici il y a des bestioles sous le fer, hein, si vous voulez les récupérer, qu'est-ce qu'on fait? Je prends par exemple du fer. Ils adorent le fer. Alors je fais ça, je le pose par terre. Voilà. Et puis j'attends qu'il arrive. Va venir et dessus et voilà je récupère sa viande et avec sa viande bon je peux le faire cuire comme ça si je veux mais normalement il faut une marmite mais bon vous pouvez le faire pour cuire c'est ça. C'est cuit et après je peux le manger. Ça fait remonter sa barre de vie. Voilà donc. Alors là, ça c'est des gens qui tombent. Ça c'est pas agressif. Je vais faire des feux d'armes. Je vais faire de l'herbe. D'ailleurs, vous pouvez faire des chapeaux, vous pouvez faire plein de choses. Il fait nuit dans le bois donc si je m'éloigne je vais me faire attaquer les yeux
c'est juste pour vous montrer. Vous vous retrouvez dans le noir. Et ben vous êtes sûr que rajouter des combustibles. Bon. Le but c'est de survivre, donc c'est de... là c'est le jour 12. La barre de santé a beaucoup diminué. Après que je me suis fait attaquer. Moi quand je l'attaque, c'est périlleux du coup. Hein? Hein? Et on a un petit zombie. On dirait des zombies. Ah, on va parcourir là. La carte. Ah, je récupère un peu trop. Alors ici je peux me faire pour récupérer du charbon. Donc je vais faire la torche. Voici cette torche, je vais l'équiper. Et je vais récupérer le sang, on va récupérer surtout le charbon. On va prendre ça. Allez, on va retourner au camp, j'espère qu'elle va avancer avec Soc. Et on va voir ce que je peux faire. Au niveau de la barbette. Moteur de chimie, j'ai la machine scientifique. Si je me mets à côté de ça, je vais voir. Pour faire cuire. Alors voilà. Ici sécheur à viande. C'est quoi genre ? Sécheur à viande, c'est pas ça. La fière. Et c'est la bijouteuse, mais on a que 5. Donc je vais faire plus que ça. Et puis il me faut de la pierre, il y a moins de bois. Donc il me faut de la pierre. Avec ça, ça devrait aller. Il me faut la hache.
montagneux avec de la roche. J'ai pas de place au bout. Combien il en fallait pour 4 par 5 1 et 1 à la machine scientifique, on va donc faire la bijouteuse. La bijouteuse, on va la mettre. Dans cette bouchetteuse, on peut mettre donc différents ingrédients pour faire cuire. De la viande, des légumes, on se trouver avec la viande ou différentes choses comme ça. C'est bien fait, c'est pas mal. Voilà, je vous ai montré un petit aperçu de ce jeu. Et si vous êtes intéressé, ben vous le dites. Voilà, sur ce. Moi je vous dis à la prochaine fois, merci d'avoir visionné.